paix et grâce à tous les saints. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur soit favorable à mon sur la bénédiction prophétique. Une semaine mobimba. Hospitalisé dans madame l'hôpital. Je crois que tu es un groupe. Il y a un salaire qui est. Je vais passer mon bimba. Tu es là pour intervenir. En tout cas, tu es soutien à Bino Nabalo Sambo. Tu es là pour soutenir Bisson dans ma prière. Bon de la pour madame Nangai, votre soeur. Car la santé, les autres qui sont Penza, pour soutenir Nabalo Sambo. Bon de la prière pour Bisson. Avec le collapse de service au Kimia, pour ceux qui m'y ont été, ils ont une semaine passé mon bateau intervenant. En tout cas, Bobon de la Ponabis soit fait que le Seigneur, après service au Kimia, c'est un peu comme ça que sa servante naé, après service au Kimia. Nous avons toujours continué dans Genèse 49, tout comme qui le coloya Dan, tout Simba qui déjà Dan. Nde tozoko ba lelo kolobela Dan. Kole so pambola moko na moko. To bondeli se neto pisho merci. Po to pesi susu makasi ilelo. Na molimo pe na nzoto ya kolobela yo. To pisho merci pour l'occasion pesi biso. Webele bazu yango tseme pesi biso yango. Ndi mito zana po moui pour te servir Seigneur. Nous te recommandons ce temps sous ton contrôle. Toi le véritable enseignant, enseigne-nous. Ou to medita ki toi la mte. Kolo yo bongisa. Parlez-nous au nom de Jésus. Plan projet Moulili, te déclarant qu'on est sans effet au nom de Jésus-Christ. De Genèse 49, versets 16 à 17. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers. Morda les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc, oui, Jean, chapitre 5, Jean, chapitre 5, verset 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Que le Seigneur bénisse ces écritures. Torobi que Dan, c'est le Seigneur Jésus. Tout à l'issue qui est déjà. Tout à l'issue qui Dan comme le Seigneur Jésus-Christ, le véritable juge, le Fils de l'homme. Puis tout à l'issue qui Dan, l'okola motei. Voilà, l'okola motei. Les lotos au koba. Tout à l'issue que Dan est un serpent. Batali Sibiso, Dan, Lokola, serpent. Dan Azalaka, serpenteur. Ce qui te suit, Deutéronome, chapitre 33. Vous remarquez, Tango Moïse, Azo Pambola, Libota. Parce que Jacob a Pambola, Moïse pas Pambola. Mais Moïse n'a pas Pamboli, n'a pas Moussakoli. Nyonso, à comment on a donné mon côté. Tous les deux prophètes, mais tous les deux prophètes, bas côté a donné mon côté. Tous les deux docteurs, mais deux docteurs, bas qu'on enseigne donné mon côté. Tous les deux prophètes, bas quoi, bas qu'on prophétise donné mon côté. Voilà. Quand les prophètes Jacob prophétise, en ce moment Adam le col à serpent. Mais tandis que quand le prophète Moïse prophétise dans Deutéronome chapitre 33, verset 22, si Dan il dit, Dan est un jeune lion qui se lance de Baza. Voilà. Ici, le prophète Moïse, on a Dan le col à lion. Mais tandis que le prophète Moïse, on a Dan le col à lion. Or, quand on parle du lion, selon Proverbe, la Bible dit que la colère du roi est comme le rugissement
d'un lion. Là, le prophète Salomon a zomona lion, le colaroi, parce que la colère du lion est comme la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Ce pour dire que lion azalaka roi, roi azalaka lion. Parmi les raisons pourquoi on attend Salomon sur la trône naie, azotia ba lion na pembeni pour na kotali sa ke azalaki roi. Bien que ça n'a pas couleur et bien tout le bel aïe mais ils ont dit qu'il était tout un roi. Il a dit trône il y a roi, donc il était tout un roi puissant. Donc tu comprends que c'est le Deutéronome 33 dans Nazalaka lion, mais c'est le Genèse 49 dans Nazalaka serpent. Or, que le bel serpent et le bel nature et humiliation. Que le bel serpent et sa nature et humiliation. Parce que nakata banyama nyonso soki na Genèse 3 nyama oyo nzamba ebaki na komodire c'était le serpent. Cela veut dire nyama oyo azalaki na makoki ya kozwa elakeli mabe c'était le serpent. Là c'est dans le livre de Genèse chapitre 3 hein wazeki na livre ya Genèse nazuluka chapitre verset 14 l'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc l'animal, c'était le serpent. Et on te dit, quand on voit Dan comme les serpents, il y a des gens qui ont une humiliation. Pour qu'on ait une humiliation, pour qu'on ait quand on voit les serpents, là on voit aussi l'humiliation. Cela veut dire dans la double nature. C'est le Genèse 49. A bazo ko prophétiser, Jacob bazo mona na faiblesse. Mais na Genèse, na Deutéronome 33, kuna Moïse bazo mona comme un lion na force. Donc tel ça peut a comme les deux venus du Seigneur. Premier venu na comme serpent. Il est comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, de même le fils de l'homme sera élevé. Là, il s'identifie à un serpent. Il y a un autre temps, il y a un homme, soyez prudent comme le serpent, simple comme la colombe. Serpent, il y a un autre temps, il y a diable été. Mais présent, serpent, ouyou. Le Seigneur, il y a prudent comme il est, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur, il y a prudent comme il est. Hein? Parce que le serpent, c'est un homme prudent. Bilobi, un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Aujourd'hui, nous sommes des hommes prudents. Notre prudence, c'est l'enseignement. Parce que quand la Bible dit qu'un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Vous voyez, l'homme prudent là, c'est à la rappeler Noé. Parce que les serpents ont la prudence. Noé, parce qu'il y a prudence, on a mon agine mvula, on zamba l'obéla qui est rebeta, des fois qu'on a la kata arche. Donc notre prudence, c'est l'enseignement. Le mal aux oies libosso nabiso, c'est la grande tribulation. C'est ça, le mal aux oies libosso nabiso, c'est la grande tribulation, c'est le jugement dernier. Maintenant, tout le monde est en zéla lilak ici, des celles que tout qui m'a tout côté dans la kata ville de refuge. Donc, on a dit que Dan, selon Moïse, c'était lion, mais selon Jacob, c'est un serpent. Donc, ça, c'est un peu premier venu, on a deuxième venu. Donc, tout le monde a Dan, quand on voit les lions, là, on voit les rois. Quand on voit Dan, quand on voit les serpents, là, on voit la faiblesse, les prédicateurs. Parce qu'un serpent, c'est un prédicateur. Tu as développé en haut. Tu as expliqué en haut. Donc, Dan, c'est un lion, Dan, c'est un serpent. Dan, c'est un roi, Dan, c'est un prophète, c'est un homme. Vous voyez, donc il était venu pour mourir parce que en mordant les talons de Sengela qui aïe bana okufa. Vous voyez, il y a remarqué quand Israël marchait dans les bosses, ils allaient qui lion, dans les cimes, ils allaient qui serpent, Dan, à ce qu'il y a souka, Jida, les bosses, c'est les lions. C'est pour dire que Dan, soit qu'il y a lion, il y a le premier, il y a le commencement, il y a alpha, soit qu'il y a serpent, il y a le dernier, il y a oméga, il y a la fin. Aza la queue, le lion c'est la tête. Vous voyez, il y a un autre remarqué, tant Moïse a aussi un banzete. Nzete wana na loboko na e, parce que soko kei,
Namukanda, Genèse 49, les bâtons, il parle à rappeler sur la puissance, sur l'autorité, les bâtons souverains. Voilà, Tamazan Loboko, les bâtons souverains. Tamazan Loboko, tout le monde a comme la puissance, c'est ça aussi les lions, c'est ça les rois. Mais Tamazokoué, comme un serpent. Hein? Les lions, Danazalaka, les serpents. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Mais n'aspect où toujours soit Dan Awa comme un prophète. Parce que les serpents, c'est un prédicateur, c'est un prophète. Jésus, non, ce n'était pas le Seigneur. Jean-Baptiste, Amoni, ba pharisien, Bazouyan, baptême naïf, Abengi Bango, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Awa, Eza Batu, Penza Batu. Mais Jean-Baptiste, Azobenga Bango, race de vipères. Donc c'est pour dire que, tantôt vu Matthieu chapitre 3, verset 7, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Des pharisiens, oyo, c'était des prédicateurs, mais des serpents. Donc aujourd'hui, nous disons que Tolobi Lelo, les pharisiens étaient des serpents. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les faux prédicateurs sont des serpents. Les faux prédicateurs, Basalakabanyoka. Nous disons que les faux prédicateurs sont des serpents. Il y a un autre qui est de plus loin, qui est de remarquer. Nyoka nyoka moko bazo swa bato bato bakufi mais tant ba ntomboli nyoka moko nyoka na bigisi bato. La révélation te dit que les serpents qui maudissaient étaient trop à la loi, les prophètes et les psaumes, mais les serpents zo tombama pour non bigisi bato. C'était Dan, c'était le Seigneur Jésus comme le vrai prophète. Mais tant ba le dit que akoyeba na koswa talon ya nyoka kolobela talon ya nyoka tozonga na Genèse. Bible le dit na kotia inimitié entre l'homme et la femme. Yeye ya kuswa talo na yo pe ye hein kunyata ina mtu voilà donc tous on a deux postérités, la postérité de la femme et la postérité du serpent. Nous avons le serpent et la femme aussi, la postérité de la femme aussi c'est la c'était serpent Jésus hein? Christ comme serpent, Satan comme serpent. Ko lobela talon za ko lobela l'autorité, voilà pourquoi tant Jacob azo botama akangili talo ya grand frère naé depuis le ventre. C'est pour dire que talons à fondement, je supporte mon tout, c'est l'autorité. Maintenant, tant que Jacob a aussi battu la frère naé, les apôtres ont tellement sacré à ce bout de l'autorité depuis l'éternité. Donc Christ était venu comme serpent, comme prédicateur, afin de renverser l'ennemi. C'était à la croix de Golgotha, où le Seigneur a renversé l'ennemi. Hein? A renversé l'ennemi pour te. Aïeba na kope sabiso oyo ezalaki elonga. Sauf que 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Bible des autres ça. Que, si je m'excuse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56 à 55. Verset 55. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et l'absence du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ici, Bataille de Sabiso, qui est la puissance, Bataille sur le guillon de la mort, c'est le péché. La puissance de la mort, c'est la puissance du péché, c'est la loi. C'est pour dire que la loi, ils allaient peut comme les talons, comme les fondements aussi, l'ennemi avant d'acquis. Mais quand le Seigneur était venu l'accomplir la loi, c'est pour dire que l'ennemi n'a plus de puissance sur nous aujourd'hui. Mais ce qu'il y a un genre qu'on a remarqué, on dit que le monde entier sous la puissance du malin. Si l'église, l'ennemi n'a plus de puissance parce que nous avons l'ongola mobeko, maintenant, l'ennemi a la puissance à régner. Voilà pourquoi le Seigneur a revenu sous comme dans la bataille d'Armageddon pour renverser l'ennemi. Hein, pour renverser l'ennemi, afin que Kimia et Pesama totalement dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Kola pa molabino. Ceux qui ont des questions à poser, bobengi biso na ba numéro na biso plus 243 99 88 77 63 plus 243 84 22 64 114. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je crois aussi Sidane. Oui. Mais si le Seigneur nous fait grâce, tokozonga la Sudan mukie avant tokota na garde. Voilà. S'il a des questions, vous posez que le Seigneur vous bénisse.